Est-ce que vous savez ce qui se passe après la mort? What? De quoi tu parles? Mes frères et sœurs, bienvenue, nous sommes bel et bien sur Union Scripore et dans le témoignage puissance 62. Si vous ne savez pas, c'est extraordinaire, le témoignage puissant et Union Scripore, franchement, ça nous fait bouger. Ce soir, vous allez trembler. En dessous, vous êtes tous abonnés, cliquez directement là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche. Et si j'aime, parce que nous savons que ici, vous allez découvrir des choses que sans doute vous ignorez. Est-ce que vous savez ce qui se passe après la mort? C'est-à-dire quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous allons écouter le témoignage d'une sœur. Elle est décédée. Et quand elle est morte, elle a remarqué quelque chose d'étrange. C'est que elle est sortie de son corps. Et ce qui est étrange, c'est que personne ne la voyait, sinon son oncle. Pourquoi son oncle, là, vous pouvez la voir? Elle va tout nous dire dans son témoignage ici. Et si vous avez été touché, laissez plein de j'aime, ça va être chaud. Let's go, c'est parti. Salut, je suis Deborah. Vous êtes le bienvenu à ce témoignage. Avant ma naissance, ma mère avait un problème de conception. Elle a beaucoup souffert en essayant de résoudre ce problème. Mais c'est quand ma mère participait à la préparation à sa première communion catholique qu'elle tomba enceinte. D'autre part, quelque chose arriva juste après ma naissance. En effet, je fus volée de l'hôpital où j'étais née. Alors que j'étais encore un bébé, il était difficile pour ma mère qui avait beaucoup souffert et lutté pour avoir son premier enfant. Mais ce fut grâce à l'aide de la mission catholique locale que l'hôpital a réussi à me retrouver. Quelques semaines plus tard, je fus baptisée dans la paroisse locale de l'église catholique. Mon nom de baptême était Sabine. Un jour, alors que notre prêtre local priait dans la paroisse, soudain Dieu lui parla d'une voix audible et lui dit « Ma fille Sabine sera ma servante ». Dieu lui avait parlé avec la voix audible et lui a dit « Elle sera dénommée Tina Kwetu, qui signifie servant de l'Éternel, pendant que je grandissais. Alors je n'avais que 4 ans, je me souviens d'un incident qui fut ma première expérience de mort. Durant cette période, j'étais dans l'école maternelle quand j'ai mouru dans un accident dans la rivière. Je me souviens que j'étais accompagné d'un groupe des enfants, et nous sommes allés nous baigner dans la rivière. Pendant qu'on se lavait dans la rivière, j'ai été noyé par accident dans cette rivière. Immédiatement, d'autres enfants sont sortis de l'eau pour informer les gens du voisinage. Dieu merci, il y avait un homme au sommet de la montagne, qui voyait de loin ce qui se passait. Une fois qu'il m'a vu se noyer dans la rivière, aussitôt il se précipita dans l'eau et plongea au fond de la rivière pour me chercher. Dieu merci, il a réussi à me trouver. Après m'avoir sorti de la rivière, il m'administra les premiers soins. C'est ainsi que j'ai recommencé à respirer de nouveau, puis il m'a emmené à l'hôpital. J'ai toujours le souvenir de cet incident dans mon esprit bien que j'avais juste 4 ans à l'époque. C'était le premier incident de la mort et la résurrection dans ma vie. Par ailleurs, quand j'ai atteint l'âge de 9 ans, j'ai commencé à avoir des visions répétées de Jésus-Christ. La première fois que j'ai vu le Seigneur, il tenait sa croix, et il me dit « Sabine, tiens-moi bien ». Dès que je l'ai tenu autour de sa hanche, immédiatement nous avons commencé à monter dans le ciel, alors qu'on montait dans l'atmosphère. Quand j'ai regardé vers le bas, j'ai vu la terre. J'avais l'impression d'être dans un avion et j'avais peur. Ainsi j'ai commencé à pleurer. Au fur et à mesure qu'on montait, j'ai dit à Jésus Christ, c'est trop pour moi, s'il vous plaît laissez-moi retourner sur terre. Jésus me dit, nous ne sommes pas loin de notre destination. Mais je continue à insister que je dois descendre. Compte tenu de cela, le Seigneur m'a ramené sur la terre. Mais il a promis de revenir me ramener au ciel. Quand je me suis réveillée de cette vision, j'ai dit à ma famille ce que j'avais vu. Il me conseilla de parler de cela au prêtre. Par la suite, je suis allée visiter le prêtre dans notre paroisse locale, et je leur parla de cette expérience. Le prêtre m'a dit que cette vision signifiait que je serais comme la sœur Anouarite, une sœur populaire et dévouée dans le pays, qui a été canonisée récemment. À l'âge de 10 ans, quand j'étais en 5e année de l'école primaire, j'avais eu une autre vision du Seigneur. J'ai vu Jésus à l'est au lever du soleil. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à marcher vers lui. Alors que je me dirigeais vers le Seigneur Jésus, j'ai remarqué que des rayons de lumière sortaient de ses yeux, et j'étais dans l'étonnement. Je me demandais ce qu'étaient ces rayons lumineux. J'ai dit au Seigneur Jésus Christ, « Vous m'appelez et je viens vers vous, mais qu'est-ce que ces rayons de lumière projetés par vos yeux ?» J'ai dit à Jésus, « À cause de ce phénomène lumineux, je ne viens pas à vous. » Jésus me dit, « Sabine, je veux vous utiliser pour mon royaume. » Je lui répondis, « Je vous ai dit que je ne viens pas à vous. » Jésus me promit de revenir pour me ramener au paradis.
Puis je me suis réveillée. J'avais un peu peur lorsque je me suis réveillée. J'ai parlé aux gens de cette vision. Ce dernier m'ont conseillé de parler de cela au prêtre. Quand je suis allée le parler, ils m'ont dit, « Sabine, ne t'en fais pas, tu seras une sœur dans le couvent, mais tu ne dois pas te marier. » Plus tard à l'âge de 11 ans, j'ai vu une autre vision. Je me suis vue de vous au sommet d'une montagne. Et de l'autre côté de la vallée j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ sur le sommet de la montagne. Il me disait de sauter vers lui. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, « Comment puis-je sauter une si grande vallée? Je ne peux pas sauter jusqu'à vous, je vais sans doute tomber et mourir. » Malgré le fait que le Seigneur me rassurait, j'ai refusé de le faire. Enfin je me suis réveillée de cette vision. Quand j'ai commencé mon école secondaire, ces visions du Seigneur Jésus-Christ se sont multipliées. C'était quotidien. Comme résultat, j'ai commencé à ressentir le désir de servir Dieu en moi. Et j'ai été encouragée par les gens à rejoindre le couvent et devenir une sœur, afin que je puisse être sous la direction de prêtres dans le séminaire. Plus tard, je suis devenue un acolyte catholique. En revanche, ma mère ne voulait pas que je devienne une sœur. En vrai dire, elle voulait que je me marie pour avoir des enfants. En effet, dans sa jeunesse, elle avait souffert et avait du mal à concevoir. En fait, ma mère nous a donné naissance à un âge tardif. Elle voulait que je me marie et avoir des enfants. J'ai grandi dans le mode de vie catholique. J'ai senti j'avais la vocation dans mon cœur de servir Dieu comme une sœur. Mais ma mère était opposée à cela. Étant donné qu'elle continua à s'opposer à mes aspirations de rejoindre le couvent et devenir une sœur. En fin de compte, je me suis rebellée contre elle. Ce fut quand notre prêtre m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas me prendre au couvent sans l'approbation de mes parents. Ce fut à ce moment que la rébellion entra dans mon cœur. C'est à ce moment que ma vie a pris un autre tournure. J'ai abandonné l'habitude d'aller aux paroisses. J'ai renoncé à mes activités dans l'église et j'ai commencé à assimiler le monde. J'ai dit à ma mère et le prêtre local, « À partir d'aujourd'hui, je le jure, je serai un rebelle et un délinquant. » Et pourtant l'éducation catholique était le standard pour moi. Mais, très rapidement j'ai commencé à m'habiller en mode, avec des maquillages et des mini-jupes. Malgré tout ceci, Dieu m'a gardé de l'immoralité sexuelle parce qu'il savait que j'allais lui servir. Plus tard, je me suis retrouvée dans les arts martiaux parce que j'aimais me battre. Puis je suis devenue une actrice. Enfin, je suis devenue une Miss. Peu à peu, j'ai commencé à avoir des aspirations et je voulais devenir riche. À la fin, j'ai rendu visite à un féticheur, afin qu'il m'aide à devenir riche. Quand j'arrive à la place de ce féticheur, immédiatement j'ai rejoint le fil d'attente. Mais quand ce fut mon tour d'être reçu, ce dernier refusa de me recevoir. Je ne comprenais pas pourquoi. Il a sûrement vu quelque chose en moi qui lui a poussé de refuser de me recevoir. À vrai dire, j'avais le symbole et la promesse de servir Dieu dans ma vie. Plus tard, je suis devenue un vrai rebelle. Une fois que ma famille a constaté que j'étais devenue délinquante, ils ont décidé de m'envoyer au village dans un internat en raison de problèmes de discipline. Toutefois, cela n'avait pas amélioré mon attitude. Quand j'ai atteint la dernière année de mon école secondaire dans le village, j'étais sur le point de passer l'examen mais je ne pouvais pas le faire. Parce que j'étais malade, on m'a emmené à l'hôpital. Une fois que j'étais hospitalisée, la nuit quand j'ai dormi, je ne rêvais que des sorcières et des démons qui me pourchassaient. Wow. Je ne rêvais que la mort, le funérail, le cercueil et le cimetière. De plus, tous les traitements dans cet hôpital n'aboutissaient à rien. Enfin, ma famille quitta la ville pour me rejoindre au village à l'hôpital car mon état ne s'améliorait pas. Ma foi de soeur. Si vous vous endormez et à chaque fois que vous vous endormez comme cette sœur, vous avez des songes où on vous poursuit, ou même si c'est dans vos rêves, on vous poursuit, où vous vous retrouvez dans les endroits bizarres, c'est qu'il y a un esprit de mort qui rôde autour de vous, ou encore les sorciers veulent vous sacrifier. Dans ce genre de situation-là, première chose à faire, dès que vous vous levez de votre lit, dites « Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais fais mon combat. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Pardonne-moi mes péchés et délivre-moi de ma souffrance. Délivre-moi du piège de Satan et de tout ce qu'ils ont prévu dans le monde des ténèbres. Que tout ce qu'ils ont fait comme plan soit foudroyé aujourd'hui et libère-moi. » Dès que vous avez fini cette prière, si vous avez dit que vous demandez à Dieu de pardonner vos péchés, Dieu va le faire, il va commencer le travail. Mais vous, physiquement, si vous êtes dans le péché, sortez du péché. Pour ne pas que vos ennemis, là,
parle devant Dieu quand Dieu se préparera à attaquer. Parce que quand Dieu va venir les attaquer là, à vos sujets là, ils peuvent dire que la personne pour qui tu veux attaquer, elle pêche, elle se masturbe, mais il pêche, il se masturbe. Pour éviter ces choses, sortez du péché pour que Dieu vous défende efficacement. Et vous devez être armé. Lisez Philippiens 6, verset 11. Et lisez la parole de Dieu nuit et jour. Dieu va vous aider. En plus, cherchez un vrai homme de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de faux. 80% de faux hommes de Dieu aujourd'hui. Cherchez un vrai homme de Dieu qui va vous soutenir dans la prière. Et s'il y a des gens que vous trouvez bons dans la prière, qui sont un peu avancés que vous, ils peuvent se joindre à vous pour intercéder à votre faveur jusqu'à ce que vous ne voyez plus de tels rêves ou encore de tels songes. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide aujourd'hui. On ne sait plus loin pour en savoir plus. C'était ce que je voulais ajouter. Et le cimetière. De plus, tous les traitements dans cet hôpital n'aboutissaient à rien. Enfin, ma famille quitta la ville pour me rejoindre au village à l'hôpital car mon état ne s'améliorait pas. La famille me fut sortie de l'hôpital. Ils ont commencé à utiliser la médecine traditionnelle à base de plantes pour tenter de me soigner. Après que toutes les tentatives de me traiter ont échoué, à la fin je suis mort. Mais quand je suis mort, je n'étais pas en bonne relation avec Dieu. J'étais dans le péché et la rébellion. Et au moment où je suis mort, j'ai vu mon esprit quitter mon corps. Et je suis devenu deux. Je pouvais voir les gens autour de mon corps pleurer et en deuil pour moi. Je me tenais là autour de mon corps et j'ai regardé les gens pleurer pour moi. Bien que je pouvais les voir et les entendre, mais ils ne pouvaient pas me voir. J'étais donc spectateur de tout ce qui se passait autour de mon funérailles. Puis soudainement, à ma grande surprise, j'ai remarqué que quelqu'un pouvait me voir. Et je me suis demandé, comment personne ne peut me voir mais ce monsieur pouvait quand même me voir alors que j'étais mort. Mes frères et sœurs, nous avons appris, grâce au témoignage des satanistes, que quand une personne décède, son esprit ou encore son âme a 3 jours pour observer tout ce qui va se passer autour d'elle. Et après ces 3 jours, elle pourra partir. C'est ce qu'on a appris. Et là, c'est quand vous avez été tué par qui? Les sorciers. Et si vous avez été tué par les sorciers, votre esprit ou encore votre esprit sera réutilisé par ces derniers-là. Pourquoi? Pour faire ce qu'ils ont à faire. Et ce témoignage permettra de savoir réellement ce qui se passe dans cette histoire. Et pourquoi dit-elle que son oncle peut la voir? Mes frères et sœurs, son oncle peut la voir parce que ses yeux spirituels sont activés. C'est uniquement avec les yeux spirituels qu'on veut voir, on peut voir les choses qui sont spirituelles. Donc son oncle est sans doute un mystique. Un peu loin pour savoir si elle va nous donner plus de détails à ce niveau-là. On va plus loin. Soudainement, à ma grande surprise, j'ai remarqué que quelqu'un pouvait me voir. Et je me suis demandé, comment personne ne peut me voir mais ce monsieur pouvait quand même me voir alors que j'étais mort. J'étais curieux. Puis j'ai vu ce monsieur qui pouvait me voir se rapprocher vers moi. Et quand il s'est approché de moi, il me dit, « Sabine, suis-moi. » En fait, j'ai découvert que cet homme qui pouvait me voir était mon oncle. Je me souviens que tout le monde dans la famille disait qu'il était un sorcier, et personne ne voulait avoir quelque chose à faire avec lui. Mon oncle était vieux et il vivait sa vie dans l'isolement, parce qu'il était rejeté par tout le monde. Ni à moins quand je voyageais souvent en ville pour visiter la famille, je passais tout de même chez lui vers le village voisin pour l'aider, malgré le fait qu'il était sorcier. À vrai dire, sa situation était pitoyable, il était effectivement abandonné par tout le monde. En outre, quand la famille fut informée que je lui rendais souvent visite, ils étaient tous en colère, et ils m'ont réprimandé avec sévérité. Ils m'ont dit, « Ne savez-vous pas qu'il est un sorcier? Il peut vous tuer si vous continuez à être autour de lui. » En effet, les sorciers sont sans pitié. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il faut leur faire du bien. Il faut faire du bien à nos ennemis. Parce qu'eux, il faut du mal. Et si vous leur rendez le mal pour le mal, c'est comme si vous êtes comme eux. Mais faites-leur du bien, même priez pour vos ennemis. C'est important. Pourquoi Dieu a dit ça? Allons dire plus loin de ce témoignage pour en savoir plus. Est-ce que ça va répondre à cette question? Allons dire plus loin. Ils étaient tous en colère, et ils m'ont réprimandé avec sévérité. Ils m'ont dit,
Ne savez-vous pas qu'il est un sorcier? Il peut vous tuer si vous continuez à être autour de lui. Mais cependant j'avais ignoré leur avertissement. Ainsi, dès que j'ai réalisé que mon oncle pouvait me voir malgré le fait que j'étais mort, je me suis dit que ma famille avait sûrement raison. Mon oncle est sans doute un sorcier. À vrai dire, mon oncle est un sorcier expérimenté. Il était sur le point de monter de niveau dans le monde des esprits. En conséquence, il fut instruit par Lucifer d'offrir un sacrifice humain. D'autre part, le diable savait que j'avais un appel de Seigneur. Il connaissait le potentiel de Dieu en moi, étant donné que je visitais mon oncle de temps en temps. Ce dernier s'était dit que j'étais la proie appropriée, cela en raison de la proximité. Par conséquent, toute la fraternité de la sorcellerie sous sa domination a commencé à réclamer mon âme. C'est pourquoi quand j'étais à l'hôpital, je rêvais de sorciers, des cimetières et la mort. En outre, quand j'étais dans l'école secondaire, je souffrais de migraines chaque année pendant la période d'examen car j'étais un bon mathématicien. En raison de ceci, mon oncle a décidé de me tuer en ce période d'examen, afin de tenter de camoufler ma mort avec la façade de la maladie. De cette façon, tout le monde allait suspecter la maladie de migraine qui me dérangeait chaque année dans ce période. Donc quand je suis mort, mon oncle est venu de nulle part et m'a instruit de le suivre. Je n'ai pas eu le courage de lui demander où nous allions, parce que j'étais ensorcelé et contrôlé. Ainsi j'ai commencé à le suivre. Soudain une route est apparue devant nous. Je n'ai jamais vu cette route dans notre quartier auparavant. Sans tarder, nous avons commencé à marcher sur cette route. Après avoir marché pendant quelque temps, nous avons atteint un buisson, et nous avons commencé à marcher dans la brousse. Je suivais mon oncle sans lui poser de questions parce que j'étais envoûté, alors qu'on marchait dans la brousse. Nous avons traversé une rivière, et nous sommes entrés dans une forêt. Ensuite nous avons pénétré profondément dans cette forêt. Enfin nous sommes arrivés devant un enceinte, qui était entourée et clôturée par deux feuilles de palmier. Bien aimé, quand nous avons atteint cet endroit horrible et éloigné au milieu de la forêt, nous nous sommes arrêtés. Soudainement, mon oncle se retourna et a commencé à me regarder droit dans les yeux. Il était là debout devant moi en train de me regarder. Il me regarda pendant une période de 10 minutes. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il me regardait comme ça, mais en réalité il était triste. Il s'apitoyait sur moi, parce que j'étais censé être exécuté dans cette forteresse épouvantable de sorcières au milieu de la forêt. Mon oncle se souvenu de visites que je lui rendais, la nourriture que j'avais l'habitude de l'amener, et comment je l'aidais en nettoyant sa maison. Après m'avoir regardé, il a fait un signe de regret. Après cela, mon oncle me dit, « Sabine, je veux rentrer dans cette enceinte mais tu ne viens pas avec moi. Je vais te cacher sous les fleurs avant d'entrer dans ce forteresse. Mais une fois que je serai à l'intérieur, tu devras rester caché, et si les gens viennent te chercher, tu devras te cacher, ils ne doivent pas te voir. Même si tu es mordu par une moustique, ne réagis pas, ne faites pas de mouvement et ne toussez pas. » Aussitôt que mon oncle est entré dans cet horrible édifice au milieu de la forêt, tout de suite je me suis caché sous les fleurs qui étaient vraiment longues, et dès qu'il entra dans cette bastion de sorciers, j'observais tout depuis le lieu où j'étais caché. Mes frères et sœurs, que s'est-il passé dans l'esprit de son oncle pour que ce dernier-là puisse prendre une telle décision? C'est incroyable. Cette fille est censée être décédée, mais son esprit est toujours là. Ça veut dire qu'une personne qui est tuée par les sorciers, là, bien que son corps soit là, sans vie, elle est toujours là. Oui, et si un vrai homme de Dieu vient pour prier pour elle, les sorciers vont libérer son âme. Cette personne peut être ressuscitée. Oui, parce que le sorcier tue une personne 3 fois. La personne que vous voyez qui est là, couchée là, voilà. Si on dit qu'elle est décédée par la maladie, c'est bien. Mais dès qu'elle meurt là, la maladie la quitte. C'est parce que la maladie là, ça peut être lancé par les sorciers. Donc si c'était lancé par les sorciers, la maladie va la quitter. Une fois que la maladie l'a quitté, imaginez la suite. Elle sera dans la tombe, dans le cercueil. Mais eux, la nuit, ils vont venir déterrer le cercueil. Avant que vous allez déposer votre enfant là-bas, là, un homme de Dieu peut venir prier. Et votre enfant va se réveiller. Ça, c'est réel. Regardez ce qui se passe dans l'esprit de son oncle. Son oncle qui allait maintenant sacrifier, ou encore tuer maintenant, tuer la fille, c'est-à-dire finir avec elle, de la moindre des sorciers pour la consommer. Voici que sur le chemin, il va se souvenir de toutes les bonnes œuvres que lui ont fait.
que cette jeune fille-là a fait pour elle, les bonnes choses que cette fille-là a fait pour lui. Et il va décider de la cacher. Vous pensez que c'est quoi? Souvent, c'est Dieu qui fait ça. Oui, mais tes bonnes œuvres aussi, tes actions-là, on peut jouer un rôle. Si j'étais bon avec lui, à un moment donné, là, ça peut brouiller un peu son esprit, ses pensées. Le côté bon qui est en lui, là, peut venir changer d'avis. Je vais vous donner un exemple. Sur une autre borne ici, il y a un ex-sataniste qui s'appelle Pasteur Jonas, un ex-sorcier, plutôt Paul Kalemba. Ce dernier a dit qu'un jour, le sorcier l'a envoyé dans sa maison, dans sa famille, pour que lui puisse trouiller l'oreille de son père, c'est-à-dire détruire les oreilles de son propre père. Et ce jour-là, quand il était venu dans la maison, il était prêt à souffler un vent sur son père afin que ses oreilles soient trouillées ou encore soient détruites. Mais ce jour-là, il a un coup, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il s'est mis à réfléchir. Ah, mon père qui s'occupe de nous, qui s'occupe des études de mon petit frère, de mes frères, à cause de moi, quand je vais garder ses oreilles, à cause de moi, il va plus travailler, il va plus avoir ce qu'il faut pour entretenir mes frères, ou encore s'occuper de moi. Franchement, je n'ai pas envie de faire ça. Voici comment il a changé cette histoire. Il n'a pas touillé l'oreille de son père, il n'a pas attaqué son père, il allait plutôt attaquer une autre personne, ou encore le mari à la personne qui a provoqué cette situation, où on demande forcément qu'il envoie les oreilles. C'est moi, c'est aussi un bonne. Si vous voulez, nous allons revenir là-dessus. Ça va être chaud. On est plus là pour savoir ce qui va se passer. Maintenant que son oncle, qui a changé d'avis, ne veut plus la tuer, il lui demande de se cacher, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce que vous devez savoir ici, qu'il y a quelque chose qu'il a ajouté. Il a dit que il faudrait qu'elle se cache très bien, mais qu'elle ne bouge pas. Quel que soit ce qui va arriver, même si c'est un serpent qui la pique, il ne faudrait pas qu'elle bouge. Même si c'est une moustique, qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste immobile, c'est très important parce que dans cette dimension-là, les mouches, les moustiques ou encore toute autre chose que vous allez voir dans cette dimension-là, dans cet autre monde-là, dans cet autre monde-là, mes frères et sœurs, tout ce que vous allez voir là-bas, tout ça, c'est mystique, c'est spirituel et c'est piloté par les agents du monde des ténèbres. Oui. Donc, elle doit manifester tout simplement le calme. C'est pourquoi Dieu lui-même nous dit dans la parole de Dieu que nous devons toujours rester calmes face à une situation, même une situation difficile, même face aux soucis. Trembler, pleurer, tout ça ne changera rien. Il faut rester calme. Tu vas arranger ta situation, tu vas régler le problème. Je sais de quoi je vous parle. On est plus là pour savoir ce qui va se passer par la suite. J'aimerais bien savoir. On est plus là. Fils au milieu de la forêt. Tout de suite, je me suis caché sous les fleurs qui étaient vraiment longues, et dès qu'il entra dans cette bastion de sorciers, j'observais tout depuis le lieu où j'étais caché. À l'intérieur de cet édifice, il y avait une foule de gens qui étaient des sorciers. Dès que mon oncle est entré, j'ai tout de suite vu des gens applaudir. Il y avait ovation et une atmosphère de célébration. Ils étaient heureux de voir mon oncle, comme s'ils s'attendaient à quelque chose de bon de sa part. Ils criaient et disaient: le maître était arrivé. Bienvenue, maître. Je ne savais pas que mon oncle était un chef, j'étais surpris. Mais j'ai remarqué que tout le monde dans cet endroit fumait du cigarette. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Puis je les ai vus donner à mon oncle qui était leur chef une cigarette. Dès que mon oncle prit place parmi eux, tout de suite ils lui ont demandé: maître, où est la fille? Où est Sabine? Mon oncle leur a répondu: je l'ai cherchée aujourd'hui mais je ne pouvais pas la trouver. Je l'amènerai demain. Aussitôt j'ai vu un sorcier se lever et dire: maître, j'ai apporté ma casserole et mon assiette parce que je pensais qu'aujourd'hui était le jour de la célébration. Comment vais-je retourner avec cela? Puis un autre sorcier se leva et dit: maître, j'ai apporté le marteau et la scie afin de couper notre bétail Sabine. J'ai même apporté la machette et le couteau. Mais comment se fait-il que notre bétail Sabine n'est pas là? Un autre homme se leva et a dit: maître, j'ai apporté beaucoup de piment, de l'huile et d'oignons, mais où est-elle? Où est notre viande? Mes frères, ceux qui sont en train de parler là, mes frères et sœurs, ceux qui sont en train de parler là, ce sont des hommes, des humains, mais ils sont dans le monde des sorciers. Là-bas, ce sont des sorciers qui sont là. Et ils parlent comme si il s'agissait, comme s'ils sont des monstres prêts à dévorer
Parce que là, c'est un autre esprit qui les anime. C'est un autre esprit. C'est un autre esprit qui les anime en ce moment-là. Oui. Donc, ils parlent ici, ne soyez pas étonnés. Ils parlent des casseroles, ils ouvrent les casseroles pour faire quoi? Découper un être humain en morceaux. Mes frères et sœurs, c'est grâce à ce qui se passe dans ce monde. Nous avons seulement besoin du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et d'avoir le nom de Jésus-Christ dans notre bouche. Criez, dites seulement Jésus au secours, il viendra vous sauver. On ne peut rien. Notre bétail Sabine n'est pas là. Un autre homme se leva et a dit, Maître, j'ai apporté beaucoup de piments, de l'huile et d'oignons, mais où est-elle? Où est notre viande? Un autre homme dit à mon oncle, tu m'as donné des invitations et j'ai invité et amené des gens de l'étranger qui sont venus manger. Nous pensions qu'il y avait une fête aujourd'hui. Que vais-je dire à ces invités de l'étranger? Comment se fait-il qu'elle n'est pas ici? Essayes-tu de nous tromper? Puis j'ai vu un sorcier qui avait un long nez. Il dit à mon oncle, Maître, quand tu entrais dans l'enceinte, je pouvais sentir l'odeur humaine autour de toi. Es-tu sûr que tu n'es pas venu avec elle? Allons. Dis-nous la vérité, parce que je peux sentir l'odeur de l'être humain. Mon oncle leur a tous répondu, demain je veux l'amener sans doute. Ne vous inquiétez pas, mais ce sorcier dit à mon oncle, Maître, permettez-moi de chercher à l'extérieur parce que je peux sentir l'odeur humaine aux alentours. Bien-aimé, pendant que j'observais ceci, j'ai été stupéfait et dans l'épouvante. J'ai appris que les sorciers sont des cannibales, qui se nourrissent de la chair humaine. Ils peuvent même nous sentir comme de la nourriture. J'ai ressenti une douleur dans mon cœur tout en observant ce qui se passait dans ce rassemblement de sorciers. Le saviez-vous? Le sorcier parmi eux qui a le long nez là, c'est lui maintenant qui va chercher, il va commencer à renifler. Ouais, je sens la viande, la viande, la viande. Mes frères et sœurs, une telle personne là, elle est dans votre famille, c'est peut-être un parent. Mais dans le monde des sorciers, il a un long nez là-bas qui lui permet de ressentir les bonnes odeurs de la chair humaine. C'est parce qu'il est possédé par un démon. Eh mon Dieu, ce témoignage est grave, hein? Ça c'est la pure sorcellerie même. J'ai ressenti une douleur dans mon cœur tout en observant ce qui se passait dans ce rassemblement de sorciers. Et je me suis senti impuissant. J'ai dit en moi, cet homme m'a emmené ici pour être tué, mangé et dévoré par ces sorciers. Dans ce moment de confusion et stupéfaction, j'ai commencé à prier dans mon cœur, et j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, aidez-moi. Quand j'ai fait cette courte prière, immédiatement j'ai attendu une voix retentir et dire, Servante Sabine, vous ne priez pas? Quand je regardais autour de moi pour vérifier qui me parlait, j'ai vu qu'il n'y avait personne, puis j'ai entendu cette voix de nouveau me dire, Servante Sabine, pourquoi est-ce que vous ne priez pas? Ne savez-vous pas qu'aujourd'hui est le jour de votre exécution et de votre mort? Vous avez décidé de rejeter Dieu, alors qui vous aidera maintenant? Vous allez mourir aujourd'hui, sauf si vous priez, la voix ajouta, Servante Sabine, il a été convenu dans le monde astral de sorciers que tu mourras aujourd'hui, de ce fait tu dois prier. À ce moment j'ai commencé à dire en moi-même, je ne sais plus prier, que puis-je faire? Finalement j'ai décidé de réciter le Notre Père qui est dans le ciel. Je récitais le Notre Père qui est dans le ciel, quand soudainement j'ai vu une lumière resplendissant, et j'ai vu un ange radieux descendre du ciel. Il était luminescent et éclatant de lumière. Il avait des ailes. L'ange de l'Éternel a atterri précisément là où je me cachais sous les fleurs. Puis il me dit, Sabine, n'ayez pas peur. Je suis venu pour vous aider. Il me demanda de me lever parce que je me cachais sous les fleurs. Puis nous avons commencé à nous éloigner de cet endroit sombre dans la forêt. L'ange me dit, Sabine, il y avait un accord qui a été signé dans le monde de la sorcellerie pour vous sacrifier. Mais la miséricorde du Seigneur et vos bonnes œuvres ont parlé pour vous. Le Seigneur vous avait mis à part pour lui servir. Quand vous allez retourner dans le monde, dites aux gens de ne jamais cesser de faire les biens, parce que les bonnes œuvres parlent plus fort au ciel. Les bonnes œuvres parlent, les bonnes œuvres parlent. Nous serons jugés en fonction de nos œuvres. Si tu as de l'argent là, il faut donner ne serait-ce que 10% aux veuves, aux orphelins. Aux veuves, aux orphelins. Fais-le. Ce sont de bonnes œuvres. Ça va parler un jour. Ça va parler un jour. Toi-même là, tu vas témoigner comme cette fille-là. Ici, Dieu vient de la sauver. Imaginez la suite. Que va-t-il se passer par la suite? Ah, ça va être chaud. Même si quelqu'un vous blesse, n'abandonnez pas de pratiquer la bonté. Parce que le comportement négatif est une porte ouverte aux sorciers. Puis l'ange me demanda,
Sabine, pourquoi avez-vous abandonné l'église et la prière? Avez-vous abandonné la prière parce que votre mère vous a interdit de devenir une sœur? Êtes-vous en colère contre Dieu? L'ange me dit, vous ne devriez jamais vous disputer et vous fâcher contre Dieu. Et vous ne pouvez pas être en colère contre Dieu. Vous devez retourner à Dieu et commencer à le servir. C'est parce que vous avez décidé d'abandonner le Seigneur que ces sorciers vous ont tué. Le diable savait que vous avez quelque chose de Dieu, et votre étoile brille. C'est pourquoi il a demandé à votre oncle qui est hautement placé dans le monde des esprits de vous sacrifier. Plus tard nous sommes enfin arrivés dans notre enceinte où les gens pleuraient et étaient en deuil pour ma mort. L'ange de l'Éternel me dit, Sabine, vous voyez le corps qui est là où les gens pleurent? Allez là-bas près de ce corps-là et asseyez-vous sur ses pieds. Je ne pouvais plus savoir que le corps qui était allongé là était mon corps. J'ai fait comme instruit par l'ange du Seigneur. Pleure pour vous sacrifier. Plus tard nous sommes enfin arrivés dans notre enceinte où les gens pleuraient et étaient en deuil pour ma mort. L'ange de l'Éternel me dit, Sabine, vous voyez le corps qui est là où les gens pleurent? Allez là-bas près de ce corps-là et asseyez-vous sur ses pieds. Ah! Mes frères et sœurs, elle a été transportée depuis le monde des ténèbres jusqu'à là où même ils sont en train de pleurer, là, c'est-à-dire aux funérailles. C'est par rapport à la prière, elle a prié, elle a demandé à Dieu d'intervenir à sa faveur. C'est par la prière qu'elle a été sauvée. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour. Vous voyez la puissance qu'a la prière? Dieu change la vie de quelqu'un par la prière. Est-ce que vous vous imaginez? Maintenant, ici, l'ange lui dit quoi? Il faut t'asseoir, tu vois ton corps, est-ce que tu vois ton corps? Il faut t'asseoir sur le pied, sur ton pied. Franchement, il ne savait pas que c'était comme ça se passait pour que les gens puissent entrer dans leur corps. C'est un voyage astral ou quoi? C'est possible. Sortie astrale, sortie de l'âme. Donc, elle va s'asseoir sur son pied pour pouvoir entrer dans son corps et vivre. On est plein pour savoir plus. Tous les gens pleuraient et étaient en deuil pour ma mort. L'ange de l'Éternel me dit, Sabine, vous voyez le corps qui est là où les gens pleurent? Allez là-bas près de ce corps-là et asseyez-vous sur ses pieds. Je ne pouvais plus savoir que le corps qui était allongé là était mon corps. J'ai fait comme instruit par l'ange du Seigneur. Immédiatement j'ai attendu les gens dire et s'exclamer, elle bouge. Sabine bouge. Quand je me suis réveillée, j'ai remarqué que les gens pleuraient. J'étais surprise et je leur ai demandé, pourquoi pleurez-vous? Ils ont refusé de me dire pourquoi ils pleuraient. Je leur ai dit, alors que j'étais endormie, j'ai vu l'oncle. Il m'a emmené à un endroit au milieu de la forêt pour me tuer. Je ne pouvais pas comprendre que j'étais mort. Et ce fut grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé son ange pour me délivrer que je suis revenu à la vie. Alors que j'étais en train de relater à la famille ce qui venait de m'arriver, soudainement j'ai vu mon oncle le sorcier. Il a remarqué que je n'étais plus où il m'avait laissé, alors il est venu dans le monde matériel. Quand je l'ai vu venir, j'ai crié. Et j'ai dit aux gens de l'empêcher de s'approcher de moi. J'ai crié plus fort son identité. Une des leçons de cette expérience est que je faisais du bien même à un homme diabolique et Dieu a regardé cette bonté et intervint. C'était ma deuxième expérience de mort. Dans ma première expérience de mort quand j'étais enfant, je me souviens que je ne pouvais voir que les ténèbres. Tout était ténèbres. Dans la troisième expérience de ma mort donc je vais relater un peu plus tard en profondeur, je me suis retrouvé dans un noir total quand j'étais mort. Alors que je me demandais où j'étais, soudainement j'ai vu courir vers moi un groupe des gens. Quand je les ai observés attentivement, j'ai constaté qu'ils étaient trop courts. C'était la terreur. En fait, ces démons étaient des nains. Ils avaient des chaînes avec eux. Ils couraient vers moi dans le but de m'enchaîner. Ce n'était épouvantable à voir. C'était la terreur. J'étais dans l'étonnement et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Ces créatures couraient vers moi afin de capturer mon âme. Mais aussitôt qu'ils se sont rapprochés de moi, ils ont ralenti leur course. En ce moment même je pouvais les entendre discuter entre eux et dire, celle-ci n'est pas à nous, elle ne nous appartient pas, elle n'est pas la nôtre, elle n'est pas notre âme, alors que je me demandais qui étaient ces entités courtes. Immédiatement j'ai entendu la voix du Seigneur retentir et dire, Sabine, ces êtres que vous voyez avec des chaînes sont des démons, ce sont eux qui viennent chercher et capturer les âmes qui meurent dans le péché, ceux qui meurent sans Christ. Ceux qui ont failli d'aller au ciel, ils sont capturés et enchaînés par ces démons et transportés aux portes de l'enfer. Bien-aimé, une fois que tu meurs, soit tu seras acheminé au paradis par les anges, soit tu seras capturé et enchaîné par les démons qui vont t'amener aux portes de ce jour de mort, le lieu de tourment. Ce fut par la grâce du Seigneur que je t'ai épargné de la capture et des chaînes de démons qui étaient venus m'enchaîner afin de me transporter en enfer.
Après cet incident, je me suis mariée à l'âge de 20 ans et j'ai eu 3 enfants. Mais je n'appréciais pas ce mariage. Après ma résurrection de la mort, je ne me suis pas vraiment attachée à Dieu. Pourtant, le monde du diable était après moi. À chaque fois que je me réveillais le matin, j'étais sans sous-vêtements. Les démons venaient enlever mes sous-vêtements et c'était répétitif. Le matin, quand je me réveillais, je trouvais mon sous-vêtement loin de mon corps. Comme ce phénomène paranormal se répétait, ma mère m'amena à une église évangélique, où je suis passée par la prière de délivrance. À la suite de cela, ce phénomène étrange s'arrêta. Plus tard, quand je me suis joint à cette église évangélique, le Seigneur a parlé à travers une prophétie. Il me dit « Tu seras ma servante, tu vas prophétiser et je t'utiliserai ». Peu de temps après avoir rejoint cette église, j'ai commencé à fonctionner de manière puissante dans le don de la prophétie et de la vision. Je suis devenue prophétesse. Bien que je fonctionnais dans la prophétie et vision, je n'étais toujours pas née de nouveau. Mais malgré le fait que je n'étais pas née de nouveau, Dieu avait placé en moi des capacités qui étaient fonctionnelles. Un jour, j'ai vu dans un rêve une femme prêchant devant une foule de gens. Quand j'ai regardé attentivement, j'ai vu que c'était moi. Je suis venu à réaliser que j'étais celui qui prêchait. Dans ce rêve, le Seigneur m'a demandé « Voulez-vous devenir ma servante ?» Je lui demanda « Pour quel but ?» Le Seigneur me dit « Je veux que vous soyez un prédicateur. » J'ai dit au Seigneur « Je ne sais pas comment prêcher et que vais-je prêcher ?» J'ai dit à Jésus « Je ne peux pas prendre cette responsabilité. » Quand je me suis réveillée le matin ce jour-là, ma mère m'a demandé « Pourquoi n'as-tu pas accepté cette offre du Seigneur de devenir prédicateur ?» Tu devrais accepter. Peu de mois après, j'ai revu le Seigneur Jésus-Christ dans une vision qui me demandait « Veux-tu être ma servant ?» Cette fois-ci, j'ai accepté son offre. J'ai commencé en travaillant comme intercesseur. J'ai continué à opérer dans le don du Saint-Esprit, mais je devais résoudre le problème de mon attitude du vieil homme. Je n'étais pas encore brisé et cassé. Peu de jours plus tard, j'ai été appelé par les pasteurs pour les rejoindre dans une réunion de l'église. Quand je suis arrivé, ils ont prié pour moi afin que je puisse servir le Seigneur. Puis soudainement, l'Esprit de Dieu a commencé à m'utiliser dans la prophétie et la parole de connaissance. Et je livrais des messages prophétiques à tous ceux qui assistaient à cette réunion. À ma grande surprise, un des pasteurs dans cette réunion rejeta le message prophétique que le Seigneur lui avait transmis au travers de moi. Il me dit, « Vous êtes animé par un esprit de python. Vous prophétisez grâce à un esprit démoniaque, et votre prophétie est fausse. » Quand j'ai entendu cela, je me suis fâché et j'ai perdu mon sang-froid. Immédiatement, j'ai insulté le pasteur et je l'ai brutalisé. Et nous avons commencé à nous quereller devant les gens qui assistaient à la réunion. J'ai dit au pasteur, « Tu ne me parles plus et je ne prendrai plus part à tes prédications, et je ne veux plus te parler. On va se parler au cimetière. » En outre, le message que j'avais livré au pasteur était authentique et il s'était accompli. Mais mon attitude était le problème. La réunion a été donc interrompue en raison de mon altercation avec l'homme de Dieu. Dès que nous sommes sortis de la réunion, soudainement j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Mais les gens autour de moi ne pouvaient pas l'entendre, malgré le fait que c'était comme un coup de tonnerre. Jésus me dit, « Toi, Déborah, pourquoi as-tu insulté le pasteur ?» Habituellement, Jésus m'appelait « Maman Déborah ». Mais cette fois-ci, le ton de sa voix était différent. Il me dit, « Tout le don et la capacité en toi sont à moi. Ils n'appartiennent pas à ta famille ou à tes parents. Je vous ai donné le message pour votre pasteur. Il est vrai qu'il l'a rejeté. Mais ce n'était pas à vous de traiter avec lui. Vous auriez dû venir à moi. Au contraire, vous l'avez insulté. Vous devez comprendre que vos péchés sont devenus malodorants devant mon trône. Si tu étais venu à moi, j'aurais pu m'occuper de lui. Mais parce que tu l'as insulté, tu es le seul à en prendre la responsabilité. Tu ne peux pas insulter le pasteur qui te prêche et prie pour ton âme. Donc je te punirai pour cela et il y aura des conséquences. » Jésus me dit, « Dans l'Ancien Testament, je traitais souvent l'humanité avec colère. Mais maintenant, j'ai adopté une autre façon de vous traiter. » Jésus me dit, « J'ai détruit le monde de Noé avec le déluge. J'ai détruit la ville de Sodome et Gomorre avec le feu. J'ai envoyé un ours pour dévorer les enfants qui se moquaient d'Élisée. Mais j'ai changé ma façon de traiter avec l'humanité. Voulez-vous me remplacer ? Parce que vous êtes une personne colérique, je vous traiterai avec colère, et je vais vous montrer que je peux être un Dieu colérique. Vous devez comprendre qu'il y aura conséquences pour votre comportement envers mon serviteur. Bien-aimé, j'ai été effrayé par cette voix de tonnerre. J'ai parlé aux hommes de Dieu à propos de la parole de Jésus. Plus tard, je suis allé voir le pasteur et je lui ai demandé pardon, mais celui-ci refusa de me pardonner, et me dit « Dieu te punira pour que tu saches que je suis son serviteur ». Beaucoup de gens l'ont supplié, mais le pasteur a refusé de me pardonner. Quelques jours plus tard, j'étais avec mon ami dans notre enceinte.
quand soudainement j'ai vu deux soldats entrer à notre parcelle. J'ai dit à mon ami, ces soldats semblent venir pour moi. Il se peut que le pasteur les a envoyés après moi, mais mon ami ne pouvait pas voir ces deux soldats, j'étais le seul à le voir. Quand ils sont venus là où j'étais assise autour de mon ami, immédiatement je suis entrée dans le coma, mon esprit est sorti de mon corps, puis les deux soldats m'ont dit, « Deborah, nous sommes venus pour vous arrêter ». Je leur ai demandé, « C'est quoi le problème ?» Ils ont répondu, « Vous avez insulté un homme de Dieu, n'est-ce pas ?» Du coup j'ai remarqué que le premier soldat avait une étiquette sur sa poitrine, sur lequel était écrit, « L'archange Michael ». Sur l'étiquette de l'autre soldat était écrit, « L'ange Rudolf ». Aussitôt, j'ai vu ces deux anges m'ont alors menotté, ils voulaient menotter mes mains derrière, mais l'ange Rudolf a dit à l'archange Michael, comme elle est une femme, menotons ses mains par devant. Pendant ce temps, quand mon amie a remarqué que je suis tombée dans le coma et que je ne me réveillais pas malgré ses efforts, elle est allée appeler des hommes de Dieu qui ont emmené mon corps à l'église, alors ils se sont mis à prier pour moi. J'étais en état d'arrestation aux mains de ce militaire, qui était l'archange Michael et l'ange Rudolf. Soudainement j'ai vu un escalier apparaissant devant nous, tout de suite nous avons commencé à monter l'escalier qui se dirigeait vers le ciel, mais pendant que nous grimpions, l'ange Michael me battait avec un bâton, et tandis qu'il me battait, j'ai pleuré au Seigneur, Michael me dit, arrêtez d'appeler le Seigneur, vous ne le connaissez pas, si vous le connaissiez vous n'alliez pas insulter les gens. Alors il continua de me battre, l'ange Rudolf a essayé de conseiller à Michael d'arrêter de me battre, mais l'archange Michael dit, je suis un ange guerrier, quand le Seigneur m'envoie arrêter quelqu'un, j'utilise la force et la brutalité, je ne connais que la guerre et la bataille. Nous avons continué à monter dans le firmament jusqu'à ce que nous avons atteint un endroit lointain dans l'espace, puis j'ai vu un énorme bâtiment dans le firmament. Ceci était une prison démoniaque au deuxième ciel, immédiatement l'archange Michael me jeta dans une cellule dans cette prison de l'espace. Ils ont verrouillé la cellule de l'extérieur et ils ont disparu. Pendant ce temps les hommes de Dieu priaient pour mon corps qui était dans le coma dans l'église. Après avoir prié pendant quelque temps, il n'y avait pas de résultat. Ils ont prié toutes sortes de prières mais en vain. Alors ils ont commencé à faire de prières de supplication. Ils ont demandé à Dieu de pardonner mes péchés. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu pour moi. En conséquence, j'ai vu un homme venir ouvrir la cellule de prison pour moi. Initialement je ne savais pas que c'était Jésus-Christ lui-même, c'est quand il a commencé à parler que je le reconnus. Jésus me dit, c'est bien toi? Sabine, celle qui cause de troubles et de désordre dans le monde, Dieu vous a envoyé dans le monde pour lui servir, mais vous êtes devenu un rebelle, vous êtes allé vous marier par votre propre volonté, et vous causez des problèmes dans le monde, au point d'insulter votre pasteur, je voulais que vous soyez dans cette prison de démons dans l'espace. Afin qu'il puisse vous torturer parce que vous êtes un rebelle, mais vous allez retourner dans le monde pour servir Dieu à cause de la miséricorde. Bien-aimé, certains pensent que la colère est une petite chose, mais la colère peut vous mener loin. Bien-aimé, je vous conseillerais d'éviter le conflit avec les hommes de Dieu. Jésus m'a fait comprendre qu'il est celui qui s'occupe d'eux. Tout simplement, ça veut dire que nous ne devons pas chercher à nous venger. Se venger, c'est inutile. Confions tout à Dieu. Dieu lui-même fera le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été touché comme moi, laissez tous un j'aime. Abonnez-vous à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et bon visionnage à tous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud.